L'autre point dans l'actualité, c'est ça qui passe journée jeudi dans l'administration publique. Là, parce que Fatman Dou, Jovenel Moïse a respiré mieux depuis quelques jours. Et Youn Nabaye Nkone fait qu'elle content journée jeudi le fait que y a un gros embouteillage. Ça. Pour régime d'être calé, depuis qu'il y a un embouteillage, tout va bien, madame la marquise, donc pas de problème dans le pays. Donc, et c'est comme ça, well, parce que c'est lecture ça, une lecture puérile de situation complexe, société haïtienne, c'est comme ça, opposé. Parce que pour le même problème, non, c'est Baïkat. Il n'y a pas un Baïkat qui s'est traduit, c'est un colère que le peuple qui a demandé toute une série de revendications qui n'est pas satisfait, qui arrivait à et position ça. Mais il n'y a pas besoin de faire aucune démarche pour satisfaire les revendications. C'est rester tant de couler et puis tant de moments favorables, et bien après battre l'estomac et faire qu'on ait que la situation bon pour eux. Et en même temps, tout c'est des grandes manœuvres. Et certainement, Manuel Sayo, et il y a des spécialistes qui sont à côté, qui a fait le connaître qui j'en pour le faire, surtout le monde qui m'aime bien, et communication politique, yo, qui sont les âmes, qui a fait politique dans le 21e siècle, doit connaître. Nous, équipe tête caléa, chaque fois, c'est comme ça, arriver sous pouvoir, et pas populaire, et puis populaire, pas c'est ça, mais c'est moi, et comme moi, et puis avec diverses lots et ficelles, yo capable, tirer, qui fait que sous pouvoir, je ne veux dire, voulez pour kembe pouvoir net. D'ailleurs, c'est pas un ancien premier ministre qui te dit ça publiquement, il est là pour 50 ans. Et c'est ambition, ça a eu nourri, je ne veux dire. Les petites manœuvres comme ça, lever campé, il est coulé. Après ça, mouvement font baisser, marée basse, il reparaît. Mouvement levé encore, il coulé. Et comme ça, zoupip, zoukitap, zoukoutap, il y a privé, puis il y a l'aide, il y a là. C'est philosophie pas de pouvoir. C'est pas un pouvoir de service. Pour, et pour pouvoir tout pour améliorer condition la vie population. Parce que au moins, on prend pouvoir, c'est pour ça. Ou te jeune dans point A ou mette dans point B dans ça qui concerne amélioration. Ou pas qu'à jeune dans point A ou plonger avec yon dans Z côté qu'on a enterré. Parce que faut qu'on fait analyse. Quoi, moi te dit Liné Balthazar dans l'émission Intérêt Public sur NPACE. Bon, globalement, nous connaissons une parole passe partout pour nous répéter. Bon, pile fois, nous connaissons intelligence intellectuelle qui gagne en Haïti, pile négligence. Nous n'avons pas répété sans l'autre pour nous dire, puis tout pour nous répéter sans fin. Mais sans que pas analyser. Oui, depuis 30 ans, le pays n'a pas avancé, c'est qu'on s'abaille. On prend chaque gouvernement à analyser. Dans quel point Préval te quitte le pays, l'elle te passe, elle va être calée. Dans quel point social, économique, au point de vue sécurité, qui est le pays à te? Kounye là, deux mandats, tête calée. Qui compte le pays arrivé? Et on doit faire pour chaque gouvernement. Et puis après, ça me dit quoi, gros panier global là. Mais avant, c'est pour analyser chaque secteur, chaque monde. Pour voir qui j'aime l'autre point pouvoir dans qui point pays atteint qui côté on met il est-ce que c'est progrès nous fait ou bien c'est bac nous fait pour enterrer donc je dis à c'est dans point sa situation hier Manuel s'est fait la veille une deuxième visite un émissaire président américain Donald Trump qui vient pour venir en Haïti dernier manœuvre là c'est nommer un monde dans tête ULCC alors que un monde nommé à un an ou bien deux ans de retard qui était supposé être occupé fonction ça depuis nos première fois et mais pour venir faire quoi que gon bataille qui a mené contre corruption même gens pour venir faire quoi gon bataille qui a mené contre gang contre groupe armé et alors que c'est menti c'est pas vrai c'est poudre qui a voyé dans yeux monde ministre économie et finance gouvernement démissionnaire là Joseph Jout et installé jeudi à mettre Claudie Garçon que depuis après une grosse sortie de fait dans la presse et ici de l'entour, nous pas jamais entendre, il était très vexé d'ailleurs. Là dans émission ça avec Kelly Bastien ensemble avec Maître André Michel, il était suggéré l'idée que il t'a préparé pour aller pour un poste dans le gouvernement. Bon, émission intérêt public tout pour nous songer. Et Maître Claudie Garçon après ça ne pas entendre pendant un bon bout de temps, et bien il nous même quoi il est là comme nouveau directeur et ULCC. Nouveau directeur ça vient remplacer dans poste ça un responsable PHTK major David Basile d'ailleurs pendant un bon bout de temps je demande Jovenel Moïse pour te voir aller comme un signe qui démontrait effectivement l'idée un gouvernement qui voulait montrer que le crédible dans quatre batailles contre corruption parce que je te dit que tu as une incompatibilité tu as un conflit d'intérêt yon moun pas capable dans PHTK qui accusé dans et ça qui fait dans Petrocaribea et puis moun qui a dirigé ULCCA c'est un chef et PHTK Well Kembel jusqu'à je te dit plusieurs mois depuis avant c'est en longtemps Well Kembel mais kounya là
li wè que gon possibilité ça capable servir et bien li voyel aller et puis il vini à Claudie Garçon comme paravent pour faire connaître que pour aller mener bataille contre corruption. Nan diskou li fè nan circonstans nan, ministre économie ak finance gouvernement démissionnaire là saluer n'a cité travail directeur général qui pralé à réaliser nan tête ILCC qui travaille. Et Joseph Chout encourage nouveau arrivé à qui se met Claudie Garçon pour servir n'a cité même qualité et puis compétence li habitué mettre au service pays pour capable remplir mission comme ça doit. Ministre économie ak finance gouvernement démissionnaire là Joseph Chout yon lot pa voye yon pinga bay employé de GIO ki annonce y ap fè grève. N'ap tande ki te parle konsa nan cérémonie kote Vladimir Maurice Idoré te présent pou Radio Kiskeya. Je procède ce matin à l'installation de maître Claudie Garçon suite à sa nomination comme nouveau directeur général de l'ULCC. Sous l'effet de la dynamique des mutations à la tête de l'État, l'opportunité de cet acte trouve sa justification dans les responsabilités constitutionnelles du président de la République, son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, de veiller au bon fonctionnement des institutions. La création le 8 novembre 2004 de l'ULCC, cet important organisme autonome placé sous tutelle du ministère de l'économie et des finances, a été marqué par le fait que l'indice de perception de la corruption placé Haïti en 2003 parmi les pays les plus corrompus selon un rapport de Transparency International. Des années après, il y a certainement eu des efforts qui ont été consentis, mais il reste encore beaucoup à faire pour renverser cette tendance. Monsieur le directeur général, vous accédez à ce poste de haute responsabilité à un moment particulier de la vie nationale, marqué par la méfiance légitime de la population qui dénonce de manière de plus en plus bruyante et pressante l'utilisation qui est faite des fonds publics. À cet effet, vous avez l'impérieuse nécessité de vous attaquer en priorité aux points de corruption les plus décriés, tout en mettant également en place des mécanismes visant à encourager l'engagement des tiers à renoncer à la corruption et à tout comportement contraire à l'éthique dans les appels d'offres pour marché public et l'exécution des contrats de service, comme l'indique entre autres le mandat de l'ULCC. J'espère que vous allez vous acquitter des tâches qui vous incombent avec le même sens de responsabilité, la compétence et le savoir-faire qui ont caractérisé votre passage dans les fonctions ou missions que vous avez déjà eu le privilège d'assumer au cours de votre carrière. Pour cela, vous aurez besoin de la collaboration experte et désintéressée du personnel et des agents assermentés du RLCC à qui je lance un appel citoyen pour un engagement franc et sincère, à la fois inclusif et participatif, en vue de redynamiser cette institution de contrôle et de surveillance. M'a profité pour lancer un appel pour tout employé l'État à la ronde badet. Moi connais l'argent que n'a touché à petit. Et matin, nous avons une conversation avec le président de la République là, qui dit que lui connaît l'État finance pays, mais débrouillez pour mettre Jean-Jacques pour améliorer les conditions de travail. Moi connais que si comme n'a touché à lui pas répondre acheter la vie. Moi connais tout, dans pilarie et salaire, l'État pas payé à temps. Même gens avec moi, nous avons seul patron qui se peuple. Si population fâchée, l'a manifesté de tous côtés, c'est parce que nous pas bail service, nous pas bail résultat. Le patron parlait, vous entendez. Au lieu c'est un petit proverbe moi en pile parce que moi Bridgen, moi mais pas la Bridgen tout le temps. Mon petit slogan c'est aigri, cap maigri. Mais c'est différent, c'est peuple cap maigri, alors que aigri a grossi. M'a parlé avec employé contribution, ça a eu les DGI. M'a deux mois ministre, m'a donné le commettre Jean-Jacques pour me payer chaque monde. Avantage, privilège, même si yo petit, m'a baillé à temps. M'a fait une promesse pour yo bagnon prime. Prime m'a décaissé, chaque monde m'a nous, c'est la radio m'a donné nous en grève. Poser, parce que plus monde dans la rue, pas de travail. C'est vrai qu'on augmentation, notre job que l'État baillé, nous sortis dans 60 000, nous tombons dans 96, mais l'État pas seul pouvoir d'emploi. Si nous pas travail, bah, peuple à travail, parce que plein de monde qui est compétent, plein de monde qui tout neuf, qui a pour fraîcheur pour travail, qui a traîné dans la rue. Je ne sais pas combien de CV m'oblige à garder chaque jour. Et ça fait mal de travail pour les gens. Chèque nous, mais nous, mais si nous posons, ministre financement dit,
C'est dans cet esprit que je formule mes voeux de succès avec le col Claudie Gasson, que nous trois petits pour me présenter. Parce que je ne pas pour pas bon, pour tout tous nos pays, qui pas comme nous, monsieur, ça. Si pas comme figure, il comme nous. Faites je vous, nous comptez sur. Ah non, donc, monsieur Jude Joseph, qui tout profitait, réglé à employé DGIO, directeur général qui allait, major David Basile, fait dans déclaration par un bilan positif concernant le travail l'idée li fait dans tête ULCC. Cependant, li dit li pas satisfait total capital d'après avoir n'a cité la justice pendant dernier temps ça yo pas jamais rivé faire un procès ou bien condamner un monde cap bien dans corruption. Directeur général qui allait ancien major David Basile mandé employé ULCC pour collaborer avec nouveau directeur général là. N'a pas le directeur général qui allait, major David Basile, qui était parlé comme ça, toujours dans la cérémonie, dans le micro, Vladimir Maurice Guidoy. Le poste de directeur général dans la fonction publique haïtienne est caractérisé par des changements devenus parfois obligatoires. J'ai été installé ici comme directeur général et c'était prévu qu'un jour, quelqu'un d'autre viendrait me remplacer, comme DUI a pu faire pour mon prédécesseur. Ainsi, mon départ aujourd'hui s'inscrit dans l'ordre normal des choses. C'est d'abord et surtout pour moi l'occasion de remercier tout le personnel de l'ULCC, des directrices aux derniers membres du personnel de soutien. Votre aide, votre disponibilité, votre engagement et votre sens du devoir m'ont permis d'être toujours à la hauteur de mes responsabilités. Sans votre franche collaboration, les quelques réalisations qui ont été accomplies ici, que ce soit en matière de renforcement institutionnel et dans le cadre plus large de la lutte directe contre la corruption, n'auraient sûrement pas été possible. Ce fut un vrai travail d'équipe assorti de cette culture, de la ténacité et de ce souci de l'efficacité qui sont propres à cette institution. À cette institution et pour lesquelles je vous félicite tous et vous suis très reconnaissant. Dire que cette tâche n'a pas été facile relève d'un euphémisme. Sans ressources adéquates, sans les moyens qui vont de pair avec la mission et surtout sous l'effet récurrent de vents contraires et contradictoires, nous nous sommes débrouillés pour remplir notre part de contrat, honorer les obligations liées à notre mandat et ce, dans l'intérêt de la société. Notre éthique personnelle et administrative, les lois et conventions pertinentes, une haute idée de notre rôle et de la nature des responsabilités qui étaient les nôtres, ont été les soubassements moraux sur lesquels nous nous sommes appuyés pour faire notre travail. Un travail qui, comme vous le savez tous, n'a pas débouché sur les résultats judiciaires attendu. Mesdames et messieurs, pour être honnête, nous ne saurions dire que la lutte contre la corruption en Haïti, du moins dans son versant répressif, est déjà une réalité. Des dizaines de rapports d'enquête sur des actes avérés de corruption envoyés par l'ULCC aux autorités judiciaires de poursuite moisissent encore dans des tiroirs. Aucune mise en mouvement de l'action publique, aucun jugement, aucune condamnation, c'est un constat amer et décevant qui nous interpelle et pour lequel s'impose un devoir d'inventaire. Des écueils structurels travent le décollage de la lutte contre la corruption. Mais n'ayez cure, continuez votre travail avec le même professionnalisme qui vous a toujours caractérisé. Ce constat d'échec qui est le cas aujourd'hui intervient à contre-courant de l'histoire et de la tendance mondiale et ne peut être que provisoire. L'exigence de la lutte contre la corruption possède de nouvelles ordres internationales. Le repère, et je le répète souvent, Haïti n'est pas une île planète et ceux qui ne l'auront pas compris devront un jour ou l'autre en tirer toutes les conséquences. Monsieur le directeur général, je vous laisse une équipe honnête, compétente, laborieuse, dont la seule motivation est l'accomplissement du devoir. Et je vous souhaite la meilleure des chances. Moi, je m'en vais satisfait d'avoir rempli mon contrat et avec la conviction d'avoir toujours agi dans le sens de l'intérêt général. Le major David Basile, qui était en tête ULCCA dans discours de fait jeudi. Et puis nouveau directeur général là, c'est maître Claudie Gasson, non discours très court contrairement à ça en pile monde capable croire
li di li gen konsyans, travay kapitan ni nan pa sa pa fasil. Avoka promet li pral fè travay li kom sa dwa. Nouvo direktèr jeneral ILCCA di li konsyan peyi a n ap site trouvé l non situasyon ki mal an pil. N ap tande mete Claudie Gasson toujours nan mikro Vladimir Maurice Ridoré. Je remercie le président de la République, son excellence Jovenel Moïse, ainsi que le premier ministre Jean-Michel Lapin, d'avoir placé leur confiance en ma personne pour occuper le poste de directeur général de l'ULCC à un moment particulièrement difficile de notre histoire. En effet, le pays va mal. Nos institutions arrivent difficilement à accomplir leur mission selon la loi. Les données disponibles montrent que la corruption constitue l'obstacle majeur au développement et à la croissance d'Haïti. Fort de ce constat, je m'engage à faire tout mon possible dans le cadre de la loi pour combattre ce fléau et permettre à notre pays de connaître un lendemain meilleur. Madame, Monsieur, force est de rappeler que, conformément à la loi réglementant la prévention et la répression de la corruption, nous sommes appelés à engager une lutte sans merci contre elle et que tout manquement à cette lourde responsabilité met en péril la légitimité des gouvernants, les valeurs démocratiques et affaiblit l'État. Ainsi donc, j'en appelle à la collaboration de tous les secteurs de la vie nationale et à chaque citoyen et citoyenne afin que l'unité de lutte contre la corruption puisse apporter les réponses tant attendues par la population haïtienne en quête de justice et de bien-être. Voilà le nouveau directeur ILCCA, Maître Claudie Gasson. Parmi personnalités qui étaient dans la cérémonie, ça, où jeune inspecteur général en chef tout neuf police nationale, là, Hervé Julien, et secrétaire d'État sécurité publique dans le gouvernement démissionnaire, là, Wonsal Saint-Cyr, et puis ancienne protectrice citoyenne, Madame Florence Elie. La fond pour